Entrez, Mohamed, entrez. Bien, bonsoir, bonjour. Alors, bon, déjà, on voulait vous dire avec Francis, on vous aime beaucoup, Mohamed, hein? Non, hein, on aime bien, on vous aime bien. Vous êtes travailleur, vous êtes souriant, vous êtes toujours à l'heure, hein? Et alors, on se posait une question avec Francis, comme ça, mais alors, finalement, vous êtes de quel pays, vous? La France, d'accord, mais je veux dire en vrai. Non, j'ai les origines. Ah, vous êtes libanais, hein? Tu vois que je te disais, Francis, libanais, d'accord. Il paraît que c'est beau, la Libanie, en plus, hein? Si, si, c'est vrai que tous ces déserts, hein, toutes ces guerres. Et alors, on avait un petit souci avec Francis, c'est au niveau de votre prénom. Hein. Alors, on n'a rien contre les prénoms libaniens, mais. Mohamed, hein. Ah, quand je le dis, regardez, ça m'érisse. Ah, j'aime pas. Ça râpe un peu en bouche, ça nous pique la gorge avec Francis quand on dit Mohamed. Ah non, on n'aime pas. On trouve que ça va pas avec le reste des phrases. C'est vrai, je vous donne quelques exemples. Regardez. Une colline? Ah, bon, ah, une colline. Ah, ouais. Une rivière? Le rire d'un enfant? Mohamed! Vous voyez? Oh, ça gâche! Hein? Alors, on s'est dit, peut-être, vous avez peut-être un deuxième prénom. Hein? Oussama? C'est pas beaucoup plus vendeur, ça, hein? Ben, je sais pas. Alors, nous, on avait pensé avec Alexandre. On trouve que ça vous va très, très bien avec Francis, hein? Ah, si, si, on a trouvé que ça vous allait extrêmement... Mais pourquoi vos parents seraient déçus? Je comprends pas. Parce que eux aussi, ils sont arabes. Mais vous êtes combien comme ça, là? Ah oui, mais là, je crois qu'il faut demander une dérogation à la mairie. Je suis pas sûr que ce soit légal, hein. Raciste? Moi? Oh, alors là, vous me vexez, hein, Alexandre, hein. Alors là, vous me vexez, hein. Et pourtant, je suis pas facile à vexer, hein, Francis, hein, je sais pas. Mais alors là, alors, moi, raciste, qui achète tous les matins au marché de la papaye, de la goyave, même mon gel douche est à la noix de coco. Ah non, alors là, non, vous allez trop loin, là. Eh bien, ouais, mais je vais lui parler de la pétition, tu vois, je voulais pas. Ah ben, ah, voilà. Eh bien, oui, il y a une pétition qui tourne, Alexandre, oui. À propos de votre circoncision. Oui, ah ben j'étais le premier étonné, je suis d'accord avec vous. Ça ne se voit pas au premier abord, mais il y a des gens qui ont dit, eh ben moi rien que de le savoir, ça me gêne. Voilà. Alors bon, on vous a fait gagner un petit peu de temps avec Francis, on est parti chercher sur Google. Figurez-vous qu'en Géorgie, ils proposent de reconstituer un prépuce. Ah, ils font ça avec de l'épaule de cochon, ils nous ont dit. Ah, vous êtes musulman, ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais enfin, on vous demande pas de le manger là, hein. Ah non, non, là, c'est juste pour le... Hein, alors, hein, oui, voilà, comme dit Francis, il faut peut-être éviter de le dire à votre femme. Voilà, donc, d'une manière générale, ce qu'il faut vous arriver à retenir, c'est qu'on est quand même dans une entreprise laïque. Hein, voilà, hein, une entreprise laïque, catholique. Hein, voilà, donc c'est important, quoi. Hein, donc, pas de signe ostentatoire, à savoir religieux ou terroriste. Hein. Alors, j'ai conscience, ça fait quand même pas mal de choses à redire pour vous. Alors, pour vous situer un petit peu plus, pour résumer. Pour l'instant, Alexandre, vous en êtes là. J'ai conscience que l'exemple est un peu rude. Hein. Donc ça, voilà, c'est fini. Non! Non, 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 non! Hein? Et avec un petit peu d'effort et un petit peu d'huile de coude, normalement, vous devriez arriver à ça. Voilà. Hein? Voilà. Alors... Alors, hey, vous voyez, rien n'est impossible parce que Sylvie était arabe comme vous avant, hein. Donc voilà, hein. Merci. Abonnez-vous en cliquant ici.